Bonjour à tous, j'ai testé pour vous le roulé de pommes de terre au air fryer. C'était très bon. J'ai fait aussi une variante au four, donc vous verrez la différence des deux. Donc là, on coupe finement nos pommes de terre. J'ai fini de les couper. Je rajoute du sel, 2 cuillères à soupe d'huile de friture. Je mélange toutes mes pommes de terre. Ah, je rajoute un petit peu d'huile sur le papier sulfu. J'ai émincé un oignon que je vais rajouter sur mon papier sulfu. J'essaye de bien le tasser. Et par-dessus, je rajoute mes pommes de terre, l'une à côté de l'autre. Voilà. Et là, ça part au air fryer à 160 degrés Celsius en mode bake pendant 20 minutes. Entre-temps, je prépare la partie pour le four. Voilà, ça part au four. Par contre, à 180 degrés Celsius pendant 35 minutes. Voilà, c'est cuit. Les oignons un petit peu caramélisés. Je mets mon fromage. Donc là, c'est du cheddar. Vous pouvez mettre du cheddar, vous pouvez mettre de l'emmental, ce que vous voulez. Mon jambon par-dessus. J'ai fait revenir caraméliser mes d'autres oignons que je mets à l'intérieur donc de mon roulé. J'enroule le tout. Je mets de mon papier sulfurisé. C'est un peu chaud. Voilà, c'est roulé. Je garde comme ça mon boudin donc dans le papier sulfu. Et j'enfourne à 160 degrés Celsius en mode bake pendant 8 minutes. Au bout de 7 minutes, je mets un petit peu d'emmental par-dessus. Et c'est reparti pour 2 minutes. Entre-temps, mes pommes de terre au four sont cuites. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais mettre mon fromage. Là, j'ai mis de l'emmental. J'ajoute un petit peu aussi pour la gourmandise, du cheddar. J'ai mis mon jambon et là, j'enroule. Je mets par-dessus un petit peu de fromage râpé. Voilà. Et là, ça repart. Par contre, ça repart au air fryer pour 8 minutes. Voilà ce que ça donne pour la première fournée. Et la deuxième fournée. L'intérieur super fondant. Un vrai régal. Bon appétit, à très vite!